Hélène Darroze et Laetitia Hallyday sont amies depuis des années, mais en dehors de quelques posts sur Instagram, elles restent relativement discrètes sur cette amitié qui semble si importante pour les deux femmes. Celles qui se sont rencontrées par hasard il y a plus de 15 ans sont devenues proches très rapidement. Ça a été une évidence entre nous, dès le début. Comme il existe des coups de foudre en amour, il y en a aussi en amitié, avait confié avec tendresse la chef étoilée au Figaro en 2018. Alors que l'émission culte Top Chef revient sur M6 ce 1er mars, Hélène Darroze a accordé un entretien au magazine Télé Loisirs, sorti ce lundi 20 février. Si elle semble n'avoir aucun problème à raconter sa passion pour son métier, parler de son amitié avec la compagne de Jalil Lesper n'est pas aussi simple. Laetitia, c'est ma petite sœur ou grande sœur parfois. On est très, très liés. Après, je n'aime pas en parler parce que c'est notre intimité, a expliqué celle qui a gagné à 3 reprises le programme de M6. Les kilomètres n'ont pas séparé les deux amies, mais on est inséparables, même si elle est à Los Angeles et moi à Paris. La distance n'arrive pas à défaire cela, a ajouté la maman de Kittery et Charlotte. Présente l'une pour l'autre dans les bons comme dans les mauvais moments, Hélène Darroze était auprès de Laetitia Hallyday au moment du décès de Johnny, cette dernière était aux côtés de son amie lors de l'enterrement de son père en 2021, elles se voient quand elles le peuvent, en fonction de leurs agendas chargés. Invitée dans En aparté sur Canal Plus fin 2021, celle qui a remporté le prix Veuve Clicquot du meilleur chef féminin du monde en 2015. Avait révélé qu'elle parlait 2 ou 3 fois par semaine à la maman de Jade et Joy, malgré cette distance qui les sépare. Très complices, les deux femmes ont vécu toutes les deux des moments très difficiles. Ilélie Davy, avait aussi révélé la chef de 55 ans. Une amitié qui n'est pas près de se tarir. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence Best Images.